Voilà, chef, sur une des photos que j'ai... N'oubliez rien. Oui, pardon, j'ai besoin du code d'identification du jour. P43 au carré, 7e case. Deuxième flèche à gauche, X-7. Cervelle. Ok, c'est bien vous à moi maintenant. V18, colonne 6, H1, C4. Un peu le fiche, c'est bien vous. Bon, alors, ce rapport... Rien à signaler, n'est-ce pas? Allez, au revoir. Non, attendez, chef, attendez. Il n'y a pas de doute, on est sur du concret, c'est du solide. Les équipes d'intervention peuvent se préparer. Les équipes d'intervention? Mais de quoi vous parlez? Ça va péter d'une seconde à l'autre, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà, c'est sur une des photos en particulier. C'est très clair. J'ai remarqué comme... C'est... du mouvement. Du mouvement sur une photo? Ouais. Juste au-dessus de la planque de Blumenflut. C'est précisé. Et au-dessus, sur le toit, non, en fait? Non, c'est au-dessus de la planque, c'est au-dessus du toit. Dans le ciel, quoi. Voilà, c'est dans le ciel. C'est comme une... C'est... C'est comme une tache, mais avec des... Comme une sorte... Comme des ailes déployées. Un oiseau? Ouais, c'est un oiseau, ouais. Cet oiseau représente un danger pour le pays? Dites-moi, cet oiseau... Ce n'est pas Blumenflut. Déguisé, non, mais rassurez-moi. Bah non, oui, vous pensez bien... Même déguisé, je l'aurais reconnu, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, moi, un oiseau sur une photo? La dernière fois, c'était une vache, et la prochaine fois, un papillon. Bon, c'est tout ce que vous avez à signaler? Ah ouais, il n'y a rien à signaler, comme d'habitude, il n'y a jamais rien à signaler. Ma parole, on dirait que ça vous emmerde. Rien à signaler? Mais c'est génial, ça! C'est pour ça qu'on est ici. Pour qu'il ne se passe rien. Qu'est-ce que vous voulez, des balles qui sifflent toute la journée? Bah, une de temps en temps, ce serait... Ce serait un trou dans le budget de l'État. Bon, allez, ça suffit maintenant, appelez. À l'avenir, évitez de me faire perdre mon temps. J'ai du travail. Et moi, et de la plus haute importance. Roger! Et maintenant Bon, on rentre dans l'usine, on va trouver le directeur, il nous reconnaît, il nous réengage, on trouve notre boulot et notre salaire. Mais quel boulot? L'usine, elle est fermée, là. Puis en plus... Ta gueule. Putain. Alors?
C'est pour ça que vous nous avez ligotés ? Pour vérifier nos papiers ? Ta gueule. C'est moi qui pose des questions. Soudeur, syndiqué, marié, en ordre mutuel, certificat de chômage technique à jour. Ah, bien sous tout rapport. C'est parfait. C'est formidable, ça, c'est du travail de pro. Très belle couverture, un bleu s'y laisserait prendre. Et malheureusement pour vous... Je suis pas un bleu. Alors comme ça, Blumenflut se réveille enfin. Vous me dites tout ce que vous savez sur lui et ses intentions, et je vous promets une mort rapide. Et sans douleur. Mais reste pas ligoté là comme ça. Fais quelque chose. Ta gueule. Parce que j'ai pas envie de crever ici, moi. Ta gueule, j'ai dit. Au secours, au secours. Ah, voilà. Hein? Toi, la boule à zéro. Qu'est-ce qui manigance, Blumenflut? Qui? Blumenflut, fais pas le mal avec moi. Je sais très bien pourquoi vous êtes venu ici. Pour du boulot? Ouais, ça, je le sais. C'est quoi, ce boulot? Ah ouais, je comprends. Blumenflut m'envoie ses deux têtes brûlées en reconnaissance, et puis zoom. Zoom? Zoom? Comment ça, zoom? C'est qui sa cible? C'est moi? Pardon? Un agent a toujours un objectif. C'est quoi son but? Apo? Celle du roi? 10 millions d'habitants laissés en pâture aux puissances étrangères. Mais vous êtes qui? Hein? Pour qui vous travaillez? Les Chinois, les Russes, les Boches? Hein? Vous êtes sûr que tout va bien? Les cervelles qui veulent que je reste tranquille, alors que c'est peut-être lui la cible. Il y a qui en haut? Il y a la cape! Blumenflut vient me fumer dans ma porte. Allô, chef, je... Vous êtes en communication avec le répondeur automatique de la centrale des services secrets belges. Nous sommes en mission pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. Allez, chef, quelque chose d'important est arrivé. C'est trop long à expliquer. Voilà, quand vous entendrez ce message, ce serait peut-être plus ce monde parce que c'est... Oui, voilà. L'avenir de la patrie est en jeu. Il faut que j'y aille maintenant, que j'assiste tout seul. Ça a été un honneur... Oui. C'est moi, Blumenflut. Appelfish est venu ici. Il m'a tiré dessus. Quoi? À mon avis, il se doute de quelque chose, hein. Ah, bravo, hein. Mais ça va, je pouvais pas savoir. Oh!
L'assassin! Laissez-moi vous expliquer! Ta gueule! Et toi, sors de là, vermine! Allez, tous les deux à genoux! Là! Allez, allez, allez! Là! Qui tu voulais appeler, salaud? Hein? Personne, je vous jure! Ah, attendez, attendez, attendez! Quoi, t'as une dernière volonté? Une cigarette? Une prière? Non, non, c'est pas ça, c'est juste que... Je vais terminer, bon sang! Préfère deux premiers? Allez, donnez-moi une raison! Une seule bonne raison pour pas vous buter! Je vous donne trois secondes! Un! Deux! Oui, je sais, je sais. Vous aviez raison. Notre chef. Oh, putain, Blom, Blam. Blumenflut. Oui, voilà, Blumenflut, c'est lui que je comptais appeler. Mais là, j'ai plus envie. On sait des choses sur lui, hein. Évidemment, tu sais des choses sur lui. Tu travailles pour lui. Allez, vas-y, accouche. Il prépare une attaque. Quel genre d'attaque? Sois plus précis. C'est quoi son plan? C'est comme vous avez dit, hein. Zoom, 10 millions d'habitants. Il s'apprête à venir ici et il nous a envoyé en éclaireur. C'est pour quand? Dans 3, 2, 2. C'est imminent, imminent. Et tu balances ton chef comme ça? Non, 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 il dit n'importe quoi. D'ailleurs, c'est pas notre chef. Il y a un truc que je déteste encore plus que les traîtres, c'est les lâches et les menteurs. Si, c'est notre chef, seulement. Il paye pas bien. Voilà! Il est radin. Eh, c'est pour ça qu'on n'a pas hésité. Ah ouais, les radins. L'argent, c'est ça qui vous fait bander, hein? Petite pute, va. Vous avez aucune éthique. C'est pour ça que vous travaillez pour l'ennemi. Chez nous, on n'a que deux motivations. La patrie et le pays. Et le roi. Et la loi et la liberté. Et Cervelle qui m'attend comme une moule. Allez, avec moi. Allez. Ça, là. Bon, on est ici. Et maintenant, je veux tout savoir. La date, l'heure, le lieu, combien, qui, pourquoi, tout. C'est-à-dire que c'est une opération secrète, hein. Même nous, jusqu'à peu, on n'était pas au courant. Même que maintenant, je suis pas sûr d'être au courant non plus, alors... Je veux tout savoir, je vous ai dit. Tout, comment, tout, le nom de... Non, les gars qui vont... Bon, alors, là. Quoi, là? Où? Là. Où? Et puis deux par là. Mais de quoi? Deux troupes d'assaut. Quoi? Des sections d'intervention armées jusqu'aux dents. Alors des lance-missiles par ici. Où? Là, et des tanks qui viendraient de par là. Non. 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 Non, bah non. C'était en Irak la semaine dernière. On en a tellement en ce moment des missions. Oh, c'est évident, c'est tout ça, c'est vos documents, vos photos, et puis vous. Moi? Vous, ouais. Quoi, c'est moi son objectif? Combien de temps on a, vous m'avez c'est dit? Pas beaucoup. On va anticiper. Faut qu'on y aille maintenant. Vous êtes avec moi ou contre lui? Pardon? Vous êtes avec lui ou contre moi? Me dites pas que vous avez craché le morceau sans avoir une idée derrière la tête. Faut aller jusqu'au bout maintenant, je vous engage. 5000 par personne, ça vous va? Hein? Vous allez avoir besoin de fric, pour vous planquer après. Je peux pas reculer. Bon allez, 10 000, mais c'est mon dernier prix. 10 000 euros? Bon ça va, 15 000, mais je peux pas plus. Chacun? Non, par personne. 15 000 euros pour retourner votre veste et buter votre chef. C'est ça. Ou une balle dans la tête.
C'est tranquille. Ils se doutent de rien. Vous allez être chopé à froid. Vous me ramenez sa tête ici. Et je vous donne l'argent après. Ok. Vous avez l'appareil ? Quel appareil ? Pour la photo. Quelle photo ? Mais de sa tête. Mais j'en ai des photos de sa tête. Ce que je veux, c'est sa vraie tête. En chair et en os. Ici. Allez, go. Comment on va le reconnaître ? Ne te fous pas de ma gueule, c'est ton chef. C'est pas faux. Mais vous savez, couper les têtes, tout ça, c'est pas trop dans nos habitudes. Non, mais nous, notre truc, c'est plutôt la stratégie, voilà. Oui, enfin, plutôt la soudure à l'art, cool. 15 000 euros pour sa tête ici, à mes pieds, dans 10 minutes. C'est tout ce qui m'intéresse. Sinon, je passe au plan B. Ah, plan B. Il y a un plan B. Vous n'avez pas le choix. Allez, on y va, maintenant. Toi, t'y vas. Moi ? Mais pourquoi moi ? Parce que je veux pas brûler ma meilleure cartouche en premier. Bon. Le mieux, c'est de lui faire une petite entaille. Juste ici. Pour l'obliger à se pencher. Ensuite, tu le contournes. Tu passes par derrière. Et chla ! Ouais, chla ! Alors, il y arrive qu'il y ait une petite vertèbre qui résiste. Alors, tu retournes le couteau. Tu commences à trancher. En insistant un peu. Et puis après, surtout, je te conseille de lui fermer les paupières. Parce que parfois, ils ont de ces regards. Allez, vas-y. Allez. Allez, 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 allez. Sinon, le plan B, là, c'était quoi ? Pense aux 15 000 euros, Gérard. J'aurais peut-être dû aller avec lui. Tu bouges pas d'ici, toi. Prends pas pour un con. C'est sûrement la colonne vertébrale qui pose problème. Oui, et puis psychologiquement, c'est quand même son chef, hein. Ça doit pas être évident. Ouais. Ou bien alors, ton copain s'est fait buter. Hein ? Blumenflut était sur ses gardes, il s'est pas laissé avoir, le salopard. Et il l'a buté. Prépare-toi. Si dans 3 minutes il est pas de retour, c'est à toi de jouer. Gérard, mort ? Ah ouais, mon vieux. Je vois pas d'autre explication. Ah bah si, c'est pas possible, il doit y en avoir une autre. Comment ça, il y a une autre explication ? C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il négocie, c'est ça ? Hein ? Ton pote, il joue triple jeu, c'est ça ? Balance tout ce qu'il sait sur moi, Blumenflut ! Vous essayez de m'avoir ! Vous m'avez bien eu, hein ? Depuis le début, vous...
Merde. Allô? Je vais pas m'énerver tout de suite. Je suppose que vous avez une explication logique. V18. Oh, vous avez une idée de ce que vous avez fait? C'est Blumenflut qui m'a envoyé deux de ses hommes. Avec toutes vos conneries, on a quelque chose à signaler. Des années de travail. À la poubelle, en quelques secondes. Mission accomplie, bravo. Mais Blumenflut est dangereux. Merci, j'étais pas au courant. Mais c'est pour ça que je vous demande de le surveiller. Mais enfin, chef, vous m'écoutez pas? Il est passé à l'attaque, je vous dis. Je sais que vous êtes sorti de la planque. Et que vous êtes allé lui tirer dessus en plein jour. Non mais vous imaginez la cata? Si vous l'aviez blessé. Comment est-ce que vous savez ça? Comment je sais tout ça? Mais... Bah oui, je vous ai même pas encore fait mon rapport. Vous n'imaginez tout, mais pas que je fais pour révéler mes sources. Mon boulot est de savoir. Ok, chef, vous énervez pas. Je vais passer comme prévu en mode d'opération de la mission en configuration D-37. Mais qu'est-ce que vous racontez, là? Ouais, Blumenflut va venir ici, mais il trouvera rien. Pas de renseignements, rien du tout. Nothing, nada, niente, que dalle. Vous pouvez compter sur moi. C'était un honneur de travailler sous vos ordres, chef. Rangez vos jouets et vos bâtons de dynamite. Je veux votre rapport sur mon bureau demain matin à l'aube, comme d'habitude. Et un rapport qui dit... Rien à signaler. Mais enfin, Blumenflut va venir, il sait tout. Blumenflut va rester gentiment dans sa planque. Et à l'avenir, je vous conseille d'en faire de même. Il ne faut plus le toucher. Il en va de la sécurité nationale. Vous m'avez bien compris? Je comprends pas, hein. Écoutez, je vais tout vous expliquer et vous allez bien comprendre. Vous m'écoutez? Oui. Si vous prenez encore contact avec qui? Quoi que ce soit. Que Blumenflut et vous-même vous retrouvez à moins de 100 mètres l'un de l'autre, ou qu'il a attrapé ne fût-ce qu'un rhume, je vous garantis qu'on se souviendra de vous comme du plus mauvais agent du pays et même du monde. Et vos rêves de mission exotique, je pense. Ça vous va, ça? Comme explication. Message reçu 5 sur 5. Roger. Roger. Thank you.
Cervelle m'a dit que tout était réglé. Ah ben non. Pour que tout soit réglé, il nous manque 15 000 euros. Préparez-vous, je ne vais plus voir personne. Cassez-vous. Non, non. Nous, on veut être payés. Un contrat, c'est un contrat. Il a raison. D'autant plus que si vous voulez qu'on continue à bosser pour vous, va falloir changer d'attitude, hein. Ouais, parce qu'on a bien réfléchi. Finalement, c'était pas si difficile comme boulot. Alors, si vous avez d'autres missions... Non, ne me dites pas que vous l'avez fait. Eh ben si. Tadam! Ça a pas été facile, hein. Puis il hurlait comme une pucelle encore vierge, mais on lui a claqué le caquet. Comme soudeur, on a fait des trucs vachement plus dangereux. Et la tête. Ah oui, non, ça, désolé. Mais on vous l'a dit, hein, couper les têtes, c'est pas trop notre truc. Mais c'est pas ça le problème. Il est à moins de 100 mètres de moi, là. Je suis foutu. Fou, je pouvais pas rentrer en contact avec lui. Et là, je suis en contact. Mais qu'est-ce qui vous a pris de me le ramener, hein? Vous l'avez fait exprès, hein? Ça fait partie de votre plan, ça. Vous êtes de mèche avec lui, hein? On a fait ce que vous aviez demandé. Exactement, puis maintenant, faut nous payer, hein. Vous payez? Et pourquoi? Pour le bordel que vous avez foutu dans ma carrière? Oh, faut pas se débiner. Un marché, c'est un marché. Et puis nous, quand on était soudeurs, on n'aurait même pas accepté ne fût-ce qu'un retard de salaire. Alors c'est pas maintenant qu'on va commencer. Faut pas nous énerver. Bah, c'est vous qui m'énervez, là, avec vos histoires de soudeurs. Pourquoi il la ramène tout le temps avec ses histoires de soudeurs? Mais parce qu'on est soudeurs! On vous dit depuis le début. Alors pourquoi est-ce que vous m'avez dit vous bossez pour lui, si c'est pas vrai, hein? Et puis qu'il préparait une attaque? On était obligés, vous alliez nous buter. Puis vous nous avez forcés, hein? Non, je vous ai jamais forcé à dire que vous bossiez pour lui, hein? Oui, moi j'ai dit la première chose qui me passait par la tête. Et pourquoi vous n'avez pas inventé un autre truc? Quand? Vous l'avez vraiment fait. Toi, la terreur, tu pouvais pas te défendre, hein? Écoutez, vous me détachez, je retourne à ma planque, et on fait comme si rien s'était passé. Quoi? Je m'aime bien vous signer une décharge. Et pourquoi pas un mot des parents? Ça te fait jouir de voir que je suis merdé? Absolument pas. Pourquoi est-ce que tu t'es pas défendu, putain? Regardez-le, là, hein? Regardez-le, là, il fait bien rire, là, le grand espion dangereux, là. Regarde-moi, hein? Dans 100 ans, les livres d'histoire raconteront comment Harry Applefish, la honte de l'espionnage, a ruiné sa carrière. Mais ça, jamais, tu m'entends? Jamais de la vie! Je vais me prendre le couteau. Ah non. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais lui couper la tête, je vais la recoller, et puis je le ramène dans sa planque. Ensuite, je retourne faire des photos de lui, où il est jamais dessus, de toute façon, elles sont toutes les mêmes. Pff, mon chef, il verra que du feu. Rien à signaler. Roger, ma carrière est relancée. Ah, Cervelle, il sera rien! Cervelle, il sera rien! Il sera rien du tout, Cervelle, hein! Cervelle? Et qui t'a parlé de Cervelle? En haut, c'est toi qui fais la loi. En bas, c'est moi. Je vais te faire une guerre comme t'en as jamais vu. Cervelle, c'est lui ta cible, hein? Mais non! Si! Depuis le début, c'est lui que tu veux buter! On va le faire parler. On va le faire parler. Tu vas parler. Je t'ai dit! Je torture mon ennemi. Tome 1. Arrachage des ongles. Oh, on n'a pas de pince. Supplice de la goutte chinoise. Mais là, on n'a pas le temps. Méthode de déstabilisation par le regard. Ça marche pas.
Méthode de déstabilisation psychologique, c'est pas un peu compliqué, ça? C'est intuitif, ça, la psychologie. Laissez-moi faire. Vous voyez, un truc comme ça. Ouais, mais non, on va pas aller aussi loin tout de suite. Puis on voit que vous êtes pas qualifié. Hein. Il a raison, hein. La psychologie, ça a jamais été ton truc, alors... Oh, l'autre... Tu voudrais tout de même pas qu'il arrive des bricoles à ta femme et à tes gosses? Pas de réaction? Pas de gosses, pas de femme? Si ça se trouve, il est pédé. Et toujours cher. Pas de Yorkshire, il est pas pédé. Bon, on perd du temps là, c'est exactement ce qu'il veut. Laissez-le moi. Super entraîné pour résister à la torture. Hein. Arrête ta comédie. Je sais que t'es un tueur et que t'as peur de rien. Allez, arrête de faire le modeste. Hein. Mais je suis pas le modeste, je suis pas celui que vous croyez, moi. Qui t'es alors? T'es pas Blumenflut? Non, c'est moi. Je veux pas. Oui, monsieur. Non. Tu sais, à ta place, moi aussi, je fermerai ma gueule. Je sais que tu as un chef, des secrets et que tu peux rien dire. Mais maintenant, tu vas parler. Je peux rien dire. Ben, c'est ce que je te dis. Tu vas rien dire parce que tu peux rien dire. Pourquoi vous l'interrogez si vous savez qu'il dira rien? La ferme, je sais ce que je fais. Arrêtez de m'interrompre avec vos remarques à tout bout de champ. Mais laissez-moi partir. Ta gueule. Mais puisqu'il dira rien. Eh, comment tu sais qu'il dira rien? C'est vous qui l'avez dit. Bah, c'est vrai, tout à l'heure, vous m'avez dit de rien dire. Non, j'ai pas dit ça. Je t'ai dit que t'allais rien dire, mais je t'ai pas dit de rien dire. C'est un peu pareil. Tais-toi, gueule. Je veux plus rien entendre, ok? Parle. Parle. Excusez-moi, mais là, je suis plus trop, là. Je dois parler, je dois me taire. Je peux me montrer très patient, tu sais. Ouais, bon, je peux être très patient, mais faut pas exagérer, hein. Allez, vas-y, accouche. Ok. Je déteste ce genre de méthode, mais tu me laisses pas le choix. Amenez-le de l'autre côté. Allez. Thank you.
flûte. Ouvre la porte, Blumen flûte. Allez, accouche. Je te donne 3 secondes pour me chier un nom. Et t'entends ce que je te dis? Pour la suite des opérations, là, faudrait peut-être qu'on pense à nos honoraires. Parce que là, on bosse pour vous, alors ça veut dire qu'on est engagé officiellement ou pas? Il a fini. Allez, y a plus qu'à le cueillir. Non, mais franchement, parce que nous, on a besoin de garanties, en fait. On peut pas bosser en noir. Rapport au contrôle. Le malflûte! Allez, enfoncez la porte! Vous avez pas répondu à nos questions. Rapport au contrôle. Allez, d'accord, 30 000! La fenêtre! Allez, vite! Faut pas qu'il nous échappe! Ok, tu baisses ton flingue, sinon j'en lâche une dont vous allez vous souvenir, hein. Tu crois qu'il me fait peur? Allez, vas-y, balance la purée. Non, non, pas la purée, pas la purée! C'est son téléphone, chef. On l'a fait comme vous, on lui a fait les poches et puis... Donne-moi ça. Là, tu bouges pas, recule. Flûte, c'est moi. Appelle. Fiche va se tenir à carreau. Je me lasse de briller. Rien de vous emmerder. Nous, on continue comme avant. Et surtout, qu'il ne se doute de rien. Vous comprenez? Allô? Allô, Blumenflûte, vous m'écoutez? Rien à signaler, n'est-ce pas? Rien à signaler, n'est-ce pas? C'est tout ce que vous avez à signaler. Rien à signaler, mais rien à signaler, mais c'est génial, ça! Il ne faut plus le toucher, il en va de la sécurité nationale. Vous n'imaginez tout de même pas que je vais vous révéler mes sources. Pas de chance. C'est une propriété privée. On va pas pouvoir y aller, hein. Ta gueule. On rentre à la planque, ta alors? Ta gueule. Oui, parce que si on rentre... Ta gueule, j'ai dit. Vous pouvez pas respecter l'intimité de l'homme qui a rendez-vous avec son destin. Sentez cette odeur? C'est comme... comme une odeur de victoire. Comme un premier rendez-vous amoureux. On s'oublie pas une odeur pareille. C'est quoi ce château, sinon c'est... Ça, c'est la planque de Cervelle. C'est la planque du chef? Non. L'ex-chef. 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 L'ex... L'ancien chef. Parce que Cervelle est un traître. Une saleté. Il a payé pour tout ce qu'il a fait. Pas de quartier pour les traîtres. Dites-vous ça. Pas de quartier pour les traîtres. En tous les cas, ça a plus de classe que votre planque pourrie. Hein. La belle petite véranda en verre, là. Non, ça, c'est pas une véranda, c'est une pergola. Non, c'est une véranda, ça. Non, parce que les verandas... On n'est pas là pour discuter de l'architecture. On a une mission.
On va les dégommer. Dites, ils sont combien là-dedans avec Cervelle? Là-dedans? Ils sont au moins des centaines. Il est tout seul, évidemment. Avec Blumenflut? Avec Blumenflut, évidemment. Ah oui, ben, donc il est pas tout seul. Non, il est pas tout seul. Et me dites pas que vous avez peur d'un vieux grabataire et de cette andouille de Blumenflut. Au prix où je vous paye. Bon, d'accord, 35 000. Personne, je sais pas où ils sont tous passés. Tous, comment ça, tous, vous nous aviez dit qu'ils étaient que deux? Deux? Deux personnes pour protéger le QG des services secrets fédéraux? C'est ce que vous nous avez dit? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et vous seriez venus si je vous avais dit qu'ils étaient des centaines, armés jusqu'aux dents et prêts à nous tomber dessus? C'était une mission suicide, il nous a rien dit! C'est ça, peut-être. Mmh. Mmh. Mais finalement, alors, ils sont que deux ou... J'en sais rien. Ils sont peut-être des milliers. Ils peuvent surgir de nulle part et de partout.
qu'est-ce que c'est? Oh, la petite pute. Expliquez-moi ce que vous foutez ici. Arrêtez votre cirque. Blumenfeld va tout raconter. Je sais que vous êtes un traître. Un traître? Rien que ça. Un traître, donc. Et pourquoi? Parce que vous et Blumenfeld, vous me surveillez depuis des années. Mais évidemment qu'on vous surveille. Et vous alors, qu'est-ce que vous faites? Et moi, je surveille Blumenfeld. Donc? Et quoi donc? Si j'en crois ce que vous dites, dès qu'on surveille quelqu'un, on est un traître. Moi, j'ai jamais dit ça. Si, excuse-moi, tu l'as dit. Traître. Alors vous en êtes un aussi, puisqu'on se surveille mutuellement. Mais pas du tout. Moi, je surveille Blumenfeld parce que c'est ma mission. Et que la mission de Blumenfeld, c'est ça de me surveiller moi, ça je peux le comprendre. C'est un ennemi. Mais vous, que vous me demandiez à moi de le surveiller lui, et que vous lui demandiez à lui de me surveiller moi, sans me dire à moi que vous lui avez demandé à lui de me surveiller moi, ça, ça prouve que vous êtes un traître. Mais pas du tout. Ça, c'est votre interprétation. Pourquoi croyez-vous que je vous ai demandé de le surveiller? Parce que c'est un ennemi. Vous en êtes sûr? Bah évidemment, on ne surveille que ses ennemis. Donc vous êtes un ennemi? Mais non! Si je lui ai demandé de vous surveiller, c'est qu'il doit y avoir une raison. Hmm? Laquelle, à votre avis? Bah... Il y a 6 milliards d'êtres humains sur la Terre. Vous croyez que vous pouvez faire confiance à tout le monde? 6 milliards d'êtres humains, c'est 6 milliards d'ennemis potentiels. Vous, lui, moi. Harry. Est-ce que tu as confiance en moi? Non. J'ai pas confiance en vous. J'ai pas confiance en lui. J'ai confiance en personne. Eh ben voilà! Bravo, Applefish. On y est enfin arrivé. Il ne faut jamais faire confiance à personne. Et surtout, jamais entre collègues. Je suis fier de vous. Rien à signaler. Alors, vive le roi, la loi, la liberté. Allez, santé. Vous n'imaginez tout de même pas que je vais vous révéler mes sources. Et surtout, qu'il ne se doute de rien. Ça ne sert à rien du tout. Vous montez. Prêt, ça c'est terminé maintenant. Toi, tu vite. C'est justement ce que je voulais éviter, bougre d'abruti! Thank you.
faire quoi maintenant? La ferme. Je réfléchis. Je vois, je vois. Vous ne savez pas, n'est-ce pas? La ferme, je te dis! Vous n'avez pas pensé aux conséquences? Alors récapitulons. Vous avez démasqué un traître? Un soi-disant traître, qui est votre seul contact dans le métier, et vous voulez le livrer. Oh, tu vas la fermer ou bien? Ou bien quoi? Vous avez buté un pauvre type qui vous avait rien fait. Et vous avez aussi perdu deux gars dont vous ne semblez même plus vous soucier d'ailleurs. Oh merde, les soudeurs. Vous voyez? Ça tourbillonne dans votre petite tête, hein? Mais ta gueule! C'est pas facile d'être un héros. On rêve de glorioles, mais dans les faits, on n'est qu'un tocard! Un tocard! Au final, on est en droit de se poser la question. Ne valait-il pas mieux rester dans la planque? Tu vas la fermer maintenant! Je veux plus rien entendre! Jamais! Tu m'entends? Ah, Cervelle, tu m'entends? Oh! Vous m'entendez? Oh, Cervelle! Vous avez eu peur, hein? Ça aurait été encore un autre problème à expliquer! Quelle saloperie, va! Je sais pas ce qui m'empêche de vous buter pour de vrai! Allez, bon, ça suffit maintenant, Pelfish! Vous voulez appeler qui? La CIA? Les pompiers? Votre monde? Bon, allez, dépêchez-vous, hein, mon vieux. Vous n'avez pas que ça à faire. Vous attendiez un coup de fil? Je vous interdis de répondre à ce téléphone. V18, colonne 6, H1, C4. Commandant Appelfish, mission accomplie haut la main. Pardon? Nous sommes fiers de vous. Vous avez réussi à démasquer un traître et trois de ses complices, dont deux sont totalement inconnus de nos services. J'avais raison. Depuis le début, j'avais raison. Exactement. Et le pays tout entier vous en est reconnaissant. C'est le plus beau jour de ma vie. Vous pouvez être fier de vous, commandant. Maintenant, nous allons prendre le relais et vous envoyer une équipe qui va nettoyer les lieux. Vous avez 5 minutes pour regagner votre planque. Nous prendrons contact avec vous pour la prochaine mission. Over. Over. J'avais raison. J'avais raison. Au moins, il me fera plus chier avec ses chèques repas. Vous cherchez pas du boulot, vous?
celle de Frédéric. Que se passe-t-il pour l'instant? Ce type est incroyable. Hein. Il est réglé comme une pendule. Hein. Tous les jours, exactement à la même heure. Et du métier là-dedans. Hein. Bon. Alors c'est toi qui cuisine. Hein. Quoi? Bon, alors c'est toi qui fais le rapport à Cervelle. Hein. Combien de fois je dois te dire qu'il ne s'appelle plus Cervelle? Comment il s'appelle alors? Mais il s'appelle... Comment il s'appelle